Bonjour tout le monde, Marie-Christine pour Monde Marie-Belle. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Caroline Dupré de Dialogo, communiquer en relation. C'est bien ça? Oui. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis vraiment contente d'être ici. Je suis même un peu excitée. puis, ouais, joyeuse d'être là. Première collaboration, mais on va apprendre à la connaître parce qu'il va y avoir d'autres capsules avec Caroline. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu fais, toi, avec Dialogo? Oui. Alors, Dialogo, communiquer en relation, c'est une entreprise que j'ai créée parce que, pour moi, les relations humaines, ça a une grande place dans ma vie. Puis, lorsque j'étais jeune, ça m'a manqué la communication. J'aurais aimé savoir le pourquoi des choses. J'aurais aimé savoir lorsque, par exemple, mes parents me disaient non. J'aurais aimé avoir plus de sens sur qu'est-ce qui fait qu'ils mettaient des limites. J'aime les mots. Puis ça met de la clarté pour moi d'avoir plus de clarté puis d'authenticité dans les échanges. Ça enrichit ma vie. Puis j'ai aussi appris à accueillir mes émotions. Puis d'abord, j'ai fait cette recherche-là avec mes enfants. Je suis mère de 3 jeunes. Puis lorsqu'ils étaient petits, il y avait des moments de pleurs, il y avait des moments de colère. En tant que mère, je me suis sentie parfois impuissante, parfois démunie de face à cette intensité-là qui m'exprimait, puis que j'avais pas moi-même appris à accueillir. Fait que j'ai fait un cheminement personnel pour moi, pour mes enfants, pour être plus intègre dans mes valeurs. En étant parfaitement imparfaite dans mes apprentissages, j'ai choisi de... Comme tout le monde. J'ai choisi de m'offrir ces apprentissages-là. Puis un jour, je me suis rendu compte que ça changeait ma vie. Que l'empathie, ça change mon monde intérieur, la relation à moi, puis de la relation avec les autres. Quand je suis là, dans une ouverture aux émotions qui se vivent, parce qu'elles se vivent à tous les jours, en moi, puis chez les autres. Puis d'avoir de l'ouverture, puis de la compassion, de la compréhension sur ce qui se vit, ça crée de la paix dans les relations. Puis ça, j'ai eu envie de le transmettre. J'ai eu envie de le transmettre pour inspirer les gens à vivre davantage de dialogue. Donc, dans le dialogue, il y a les deux. C'est une danse, mouvement. Il y a un mouvement. Il y a l'ouverture, il y a de l'authenticité, il y a du courage aussi. Parce que c'est courageux d'être authentique, d'être vrai, de se dire, de se comprendre. Puis en même temps, c'est comme mettre de la colle en dessous des images d'un collage. Ça tient. Puis ça crée une image. Aujourd'hui, j'ai accompagné des femmes qui faisaient un tableau de vision. Puis en mettant de la colle, mais c'est ça qui fait que les images y restent en place puis que ça crée quelque chose de beau. C'est un peu comme ça, l'empathie. C'est comme de la colle qui rapproche les gens. L'empathie, on en a souvent parlé, j'aime tout le temps s'en parler, mais aujourd'hui, on vous parle d'un thème que tu trouves qui est pas assez, dont on discute pas assez, je suis bien contente d'en parler aussi, la culpabilité. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Alors, ça se peut qu'il y en a qui disent « Oh là, j'arrête la vidéo parce que moi, j'en vis pas de ça, non, non. » Ah, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que c'est la culpabilité? Oui. Juste mettre des mots, de phrases, du vécu. Fait que, est-ce que ça vous arrive de dire « je devrais »,« faudrait que »,« oh j'aurais dû, pourtant je le savais »,
Oh, faudrait que tu, hein, fais donc ça. Puis les devraient, faudraient, en québécois, je sais pas s'il y a des Européens qui nous écoutent puis qui disent qu'est-ce qu'elle dit, elle. Alors, c'est une saveur d'exigence. Okay. C'est une saveur de pression. OK. La culpabilité, ça a une saveur de j'en fais pas assez. Faut que j'en fasse plus. Comme qu'on est inadéquat, en tout cas, dans notre perception. Il y a effectivement une portion de blâme. Okay. De c'est pas correct ce que je fais. Puis ça vient d'où? Est-ce que ça vient plus de nous, plus des autres? Comment tu vois ça, toi? Comment ça se colle sur nous? Parce que j'ai vu une vidéo que tu faisais que j'ai beaucoup aimée, que tu collais des post-it pour nous expliquer un peu les espèces de je sais pas penser ou de... Oui, c'est ça qu'on avait, qu'on se collait sur nous. Fait que je sais pas, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu comme ça, ça colle. C'est tout nous qui nous collons ça? Selon moi, oui, aussi, mais ou juste les autres? Comment tu pourrais expliquer ça? Merci de me rappeler cette vidéo-là où j'utilisais des post-it en mettant ces phrases-là. « Ah, je devrais donc faire de l'exercice 3 fois semaine. »« Ah, j'aurais dû aviser d'avance. » Ces phrases-là, puis que je les crois. Je les crois en disant que mes actions n'ont pas été correctes. Puis qu'est-ce que ça fait, ça, sur l'estime de soi? Est-ce que ça me mobilise? Est-ce que ça me donne le goût puis de la confiance pour aller de l'avant à mettre en place les changements que je veux vivre dans ma vie? Ben si oui, c'est en me tirant par le collet de la chemise, avec comme une pression puis une exigence. Il y a une forme de dureté là-dedans. Okay. Puis d'où ça vient? Ben oui, ça peut venir de soi. Puis en même temps, lorsque je me blâme puis je me juge, ben ça se peut que ça soit ces mots-là que j'utilise dans le dialogue, dans la communication avec les autres. Ah, OK. Comme on les renvoie en effet miroir. Si nous, on se renvoie ça à nous, ben ça se peut qu'on renvoie ça à l'autre personne aussi, en termes d'exigence aussi? Oui. OK. Comme une culpabilité qu'on ressent, qu'on peut... Oui, c'est ça. Projeter à l'autre personne, dans le fond. Si on ne l'a pas accueilli, je ne sais pas, je te pose des questions un peu... Puis ce que je propose avec Dialogo, c'est la communication bienveillante, de développer un dialogue bienveillant avec soi, puis avec les autres. Donc, dans le dialogue bienveillant, OK, il peut y avoir ces pensées-là, parce qu'elles viennent, elles montent de toute façon, ces pensées-là. Ah, j'aurais dû. Fait que, de prendre cette pensée-là, de l'écouter, parce que c'est un message qui m'est envoyé, que c'est un message... message, si je mets sur un post-it, ben il est déjà un peu plus loin. Oui. Ça crée de l'espace. Ça me crée peut-être de l'espace en dedans pour respirer un coup ou deux. Mm-hmm. Puis de ressentir, mais qu'est-ce que ça me fait? C'est ça. Comment je me sens quand je me dis, ah, j'aurais dû faire telle chose? Ben peut-être que dans le fond, j'ai donné ma parole à une amie. Mm-hmm. Puis, je reviens sur ma parole, mais dans le fond, peut-être que je me sens coincée puis mal à l'aise, puis inconfortable parce que c'est important pour moi l'intégrité puis l'engagement. Puis dans le fond, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui fait que ça vient me chercher dans mes tripes. C'est parce que l'intégrité puis l'engagement, c'est important pour moi. OK. Fait que quand je prends soin de découvrir comment je me sens, puis c'est quoi mes besoins derrière ça? Mais ça me permet de sortir de la culpabilité puis d'être en lien avec moi. Ouais. Cette bienveillance-là, c'est veiller au bien de mes besoins ensuite parce que, OK, si l'intégrité puis l'engagement, c'est important pour moi, comment je peux en prendre soin de ces besoins-là? Lorsque je sors de la culpabilité pour entrer dans la bienveillance, c'est une opportunité d'être dans mon pouvoir. Oui. D'avoir plus d'opportunités de choisir, mm-hmm. de faire des choix alignés sur mes valeurs, sur mes besoins.
Ça veut pas dire que tu n'auras plus, comme on dit, ces pensées-là. Hein? C'est « Oh mon Dieu, j'ai pas assez bien fait mon entraînement, j'ai pas mis assez d'intensité aujourd'hui. Ah, j'ai pas fait mon yoga 3 fois cette semaine, j'aurais donc dû... » Bon, ça, c'est des pensées qui peuvent revenir. Mais concrètement, est-ce que tu as des... Oui, tu as parlé de, d'observer cette pensée-là puis de prendre une certaine distance. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, des fois, pour nous aider à nous rappeler? Tu sais, parce que changer une habitude, ça prend quand même des espèces de petits rappels fréquemment pour... Oups, OK, je suis en train de retourner dans la culpabilité, là. C'est pas bon pour mon énergie, dans le fond. C'est comme je m'en vais dans le négatif. Est-ce que toi, dans tes ateliers ou quand tu rencontres des gens, tu as des petits trucs, je sais pas, concrets qu'on pourrait partager, ou un petit truc, des idées? Oui. Bien, la première chose qui me vient, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute, quand tu dis à l'écoute, là, tu sais, encore plus dire, concret. Ça veut dire être à l'écoute de ce que ça me fait. OK. Fait que quand, là, je me rends compte que j'ai les dents serrées. Dans mon corps, OK. Les sensations physiques dans mon corps. Quand je me rends compte que, là, ouf, j'ai mal à la tête. Quand j'ai cette pensée-là. Quand je me rends compte que... tiens, je respire juste par ici. Juste cette portion-là, ici. Ah, puis ça se peut que... J'ai pas appris à m'en rendre compte que je respire moins profondément actuellement. Okay. Ma respiration est juste dans la portion du haut de la poitrine. Mm-hmm. OK. Juste de l'observer. OK. De me rendre compte que je suis tendue, stressée. Que ce soit dans les mâchoires, parfois ça peut se passer au niveau de la nuque, des épaules. Il y en a que c'est beaucoup la tête qui est mobilisée, puis que les sensations de tension se ressentent comme ça. OK. Fait que les sensations physiques de notre corps nous laissent savoir qu'on vit des sensations physiques qui nous indiquent qu'on a des sentiments. Oui, c'est ça. C'est un baromètre, hein? Oui! OK. Fait que le corps, il est bien fait. Oh, oui. Il nous indique qu'on vit des sentiments. Des émotions, oui. Puis, la différence entre une émotion et un sentiment, c'est que ben, l'émotion est en mouvement. J'ai pas mis de mots dessus. Je l'ai pas attrapé pour dire... Ah! Ça s'appelle comment? Je me sens stressée. Okay. Je me sens tendue. Okay. Inquiète. Okay. Préoccupée. Alors, de mettre des mots dessus, ça devient un sentiment. Ah, merci. Je confonds des fois, c'est vrai. Hey, non, mais j'aime ça que tu me... Oui. Fait que ça, c'est un autre truc. OK. Sortir une liste de sentiments besoins. Ça s'appelle sur la page de Dialogo. Que je vais vous mettre en référence. Oui, c'est ça, dans la barre de commentaires. Ne vous en faites pas. Sortir la liste. Bon, comment je me sens? Okay. Je ne sais pas c'est quoi, c'est quel mot. Mais je sors une liste, puis je vois. OK. OK. Ah, mais c'est plus comme ci ou comme ça. OK. Quand j'ai cette pensée-là de dire « Ah, pourquoi j'ai pas fait... j'aurais donc dû faire mon entraînement de façon plus intense, parce que, bon, je sais pas telle raison. » Là, je ressens... Non, plutôt, je peux prendre un moment d'arrêt pour, bon, respirer, revenir dans mon corps, puis me dire « OK, où est-ce que ça se situe? » Est-ce que ça crée une tension dans mon corps, cette pensée-là? Puis où? Déjà? Puis après ça, si on est capable encore plus de dire comment que ça s'appelle, dans le fond, cette émotion-là, quel est ce sentiment? Oui. OK. De tenter de mettre des mots. Ça me met en colère, ou même si c'est la colère contre moi, bon, c'est pas efficace et utile, mais ça peut être ça pareil, puis on a le droit, ça on l'accueille. Ça se peut qu'il y ait de la colère qui soit là. C'est ça, on l'accueille. Puis la colère, l'inquiétude, oui. La déception, la tristesse, la surprise, le dégoût, okay. M'indique que j'ai des besoins qui ne sont pas satisfaits actuellement. Okay. Fait que si j'ai de la curiosité de découvrir c'est quoi mon besoin qui est satisfait, qui fait que ça coince, ça tire, c'est tendu dans mon corps, puis même dans mon ton de voix quand je m'adresse aux autres. Okay. Puis à l'inverse, lorsque les besoins sont comblés, comme par exemple que je sois ici en train de parler de cette thématique-là avec toi, avec le beau décor, le setup, ben je me sens ravie parce que je suis en train de contribuer, de partager. Ça me nourrit, ça me stimule. Je te le partage. Moi aussi. Qu'est-ce que ça vient? Moi, ça vient de me faire une belle bulle d'amour ici dans mon
dans mon cœur, oui, je suis remplie de gratitude de pouvoir mettre des mots encore plus sur des choses dont je parle, tu sais, mes sentiments, émotions. Mais oui, j'aime ça d'avoir encore plus de précision. Tu sais, je trouve qu'on on développe pas assez notre intelligence relationnelle, émotionnelle, amoureuse. Je me suis beaucoup intéressée à ces choses-là dernièrement, puis ben ça me touche beaucoup quand il y a des gens qui sont là pour nous aider là-dedans, dans le fond. Là, parce que oui, comme personne hypersensible, on est très fragile et réactif à l'énergie du mot. Tu sais? Donc, c'est sûr que déjà, la personne qui l'envoie ne va pas nécessairement donner une intensité au mot, mais nous, on peut le percevoir encore plus grand. Donc, c'est sûr que, tu sais, d'avoir... bon, que ce soit une critique ou un commentaire désobligeant ou qui nous fait vivre telle émotion. Moi, ça m'aide, ce que tu me dis aussi, à me rappeler que, bon, c'est ça. C'est tout le temps la même chose, mais d'être capable, c'est ça, d'aller identifier dans notre corps. Puis c'est vrai, des fois, de nommer encore plus et d'identifier le besoin qui est non comblé, ça, c'est encore plus... Il me semble que j'ai comme résumé à peu près la boucle qu'il faut... est-ce que j'ai bien compris le petit chemin qu'on peut faire pour apprivoiser cette culpabilité-là. Oui, mais merci de le résumer dans tes mots. Okay. Oui, c'est les miens. Ce que tu as compris de ça, puis, puis peut-être que ceux qui écoutent la capsule présentement on l'ont compris dans d'autres mots, peu importe. Dans le fond, c'est une proposition d'accueillir les pensées, puis... de les accueillir avec la curiosité pour entendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Puis de... ce qu'il y a derrière, c'est des sentiments. C'est de la vie qui se vit maintenant. Fait que d'être ouverte, curieuse de ça, puis de découvrir les besoins, mais ça, c'est une opportunité d'être, comme j'ai dit tout à l'heure, dans son pouvoir. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux faire un choix. Oui. Puis quand je fais un choix en lien avec mes besoins, si par exemple j'ai besoin de douceur... parce que, supposons que j'ai travaillé plus d'heures que d'habitude cette semaine, puis que dans le fond, j'ai choisi de prioriser un projet qui me tient à cœur. Fait que l'entraînement ou l'exercice a été moins présent. C'est ça. Qu'est-ce que je fais comme choix maintenant? Mm-hmm. Parce que j'ai pas de pouvoir sur le passé, puis sur le maintenant. Qu'est-ce que je fais comme choix? Est-ce que je choisis de... m'arrêter après souper puis d'aller marcher dehors pour prendre soin de moi puis respecter mon rythme. Je vais y aller 15 minutes. Puis là, c'est ma limite. Je vais être douce plutôt que d'être dure puis de me juger puis de me blâmer qui aura un impact sûrement de découragement, de pression puis un dialogue intérieur qui est dur, qui est amer. Ça goûte moins bon. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire que la culpabilité fait naître encore plus dans le sens que, tu sais, pour qu'on soit encore plus... Parce que moi, je trouve que la culpabilité, justement, c'est collectivement, il y en a souvent. Même, je trouve qu'au niveau des femmes, il y a vraiment comme des rôles qu'on s'impose par culpabilité. Fait que c'est ça, parce que je sais qu'on s'en est parlé un peu. Tu sais, juste pourquoi tu aimes parler beaucoup de ce thème-là précisément? Parce que c'est sûr qu'on a parlé un peu de ton approche par rapport à, en général, des émotions ou des sentiments qui peuvent se vivre, mais la culpabilité, tu sais, qu'est-ce qui te mobilise à faire des ateliers ou vouloir parler, outiller les gens par rapport à ça? Merci de poser la question. Puis ce qui me vient, c'est une citation de Brené Brown, qui est une auteure qui m'inspire profondément. Puis elle dit que l'intégrité, c'est de choisir le courage au-delà du confort. Puis ça, l'intégrité puis le courage, c'est des valeurs importantes pour moi. Alors, le courage, c'est agir avec cœur. C'est faire le choix... courageux de faire quelque chose de différent que j'ai jamais fait. Ou quelque chose que... parler devant une caméra ou parler de mes émotions à quelqu'un.
ou devant une caméra. C'est ça, les deux! En même temps. Ça se peut que ça me demande du courage. Oui. Mais en même temps, je suis vraie. C'est agir en étant vrai, en étant soi. Pourquoi c'est important pour moi, ça? Mm-hmm. Parce que c'est une opportunité d'être qui je suis. Mm-hmm. Pourquoi c'est important? Parce que la culpabilité, ça a de l'impact aussi, mm-hmm. qui est insatisfaisant. Dans ma vie, ça a été insatisfaisant. Puis, mes relations avec mes enfants, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. C'est ça. Mon fils, quand je lui ai dit « c'est pas correct ce que tu fais », qu'est-ce qu'il répond? « Ben, fais-le toi-même. Mm-hmm. » Il se désengage. Mm. Puis moi, quand je me dis « ah, oh, c'est pas correct ce que je fais », qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Me désengager. Mm. Fait que l'impact est énorme. Fait que si, par exemple, je voudrais comme stimuler la coopération, oui. la collaboration, si je voudrais comme me motiver pour tel défi, ou stimuler mon enfant ouais, ou mon jeune comment pour tu qu'il reformulerais ça? Je sais pas, j'ai un exemple. Oui, ce serait quoi ton exemple? Ben, tu sais, quand tu dis « Ah, c'est pas correct ce que tu fais », je sais pas trop par rapport à quelle situation, mais bon, ça nous arrive de dire à nos jeunes des fois « c'est pas correct ce que tu fais », bon, comment est-ce qu'on pourrait reformuler? Je sais pas, il est en train de faire la vaisselle d'une façon qui nous plaît pas, ou je sais pas. Donc, on fait juste dire « Hey, c'est pas correct ce que tu fais ». C'est vrai que quand on y pense, c'est pas très constructif, mais bon. Fait que la proposition de la communication bienveillante, mm-hmm. qui est aussi basée sur la CNV ou communication non-violente, c'est de nommer les faits. Okay. De quoi je parle? Je vois une feuille d'épinard sur l'assiette. OK. Que tu viens de laver. Oui. Ça, c'est le fait. Dénudé de jugement. C'est juste... Regardons ça. Mais... tu sais, je me sens intriguée, puis j'ai envie de juste t'inviter là, à la relaver. OK. Je te le dis pour que tu puisses apprendre. OK. Je veux te soutenir à apprendre à laver la vaisselle. Supposons que c'est dans ses premières fois, tu sais. Ouais. Puis, es-tu d'accord de relaver l'assiette? Simplement comme ça. Je suis vraie, sans blâme. Je sais pourquoi que je lui demande ça? Ouais. Pourquoi c'est important pour moi? Mm. La propreté. Ouais. Puis lorsque... parce que ça, c'est peut-être une histoire facile, l'histoire de la vaisselle. Des fois, il y a des situations un peu plus corsées. Oui. Mais de prendre un temps pour moi-même identifier pourquoi ça vient me chercher. Mm. Pourquoi c'est important pour moi. Quand que je demande à quelqu'un quelque chose, puis la personne ne le fait pas. Elle dit « Oui, oui, je vais le faire! » Mm-hmm. Puis la personne ne le fait pas. Que ça soit mon jeune, que ça soit un collègue, que ça soit une amie, qu'est-ce que ça a comme impact? Peut-être que pour vous, c'est différent, mais pour moi, en tout cas, ça vient toucher à la confiance. Oui. Ça l'impacte la confiance dans notre lien. Oui. Fait que d'être vrai, puis de dire, ben lorsque tu me dis que tu vas le faire, puis que c'est pas fait, ben je suis... comment, irritée, tendue, essoufflée. Pas entendue, j'ai l'impression de pas être entendue, c'est ça? Oui, puis si je me raconte l'histoire que je suis pas entendue, parce que là, peut-être la personne a entendu ce que j'ai dit, puis que là, c'était comme pas possible, la personne a fait un autre choix. Comment je me sens, moi, ici, dans mon corps? Est-ce qu'ici, il y a comme une tension? Je me sens tendue? Est-ce que je me sens fâchée? Moi, ça me fâche. Je me sens fâchée. Ça a de l'impact sur la confiance entre nous. Serais-tu d'accord de le faire maintenant? Ou serais-tu d'accord de le faire d'ici la prochaine heure? Oui. Parce que c'est comme ça. Le reste, ça ne t'appartient plus, mais au moins, on l'a exprimé d'une façon non-violente. Oui. Puis ça se peut que l'autre personne ne soit pas contente que je lui dise ça. Oui. Je lui dis, c'est pas ça pour que ça soit confortable. Oui. Puis pour être fine, je dis ça pour être vrai. Oui. Puis c'est ça l'intégrité, de choisir le courage au-delà du confort. Ouais. C'est magnifique. C'est
C'est très beau, ça. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur la culpabilité? Je pense qu'on a fait un bon tour. Hein? Oui, on a fait un bon tour. Fait que je vous invite à oser la curiosité de découvrir comment vous vous sentez. Ça, c'est de l'empathie envers soi. Mm. Puis lorsque je développe ma capacité d'empathie envers moi-même, puis que je découvre mes sentiments, mes besoins, mais ma capacité d'empathie avec les autres s'amplifie. Mmh. Tout à fait. Mmh. Quelqu'un Merci. A dit un jour, oui? charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est qui, ça vaut pour, la, pour l'empathie aussi. Oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. Hey, merci, Caroline. Oui, ça fait plaisir. On vous prépare d'autres sujets pour d'autres capsules. Fait que je vous mets toutes les informations pour les ateliers de Caroline, sa page Facebook, son site web. Puis, oh, il y a des beaux outils gratuits. Vous pouvez aller voir sur ton site. Hein? Oui, cliquez le lien juste en bas. Yeah! Merci de votre écoute. Prenez soin de vous. À Salut. Bientôt.